Vas-y, on va aller sur Shurima. Alors, je suis assez content en vrai du contenu que je mets en place. Ça, je pense que ça peut aider pas mal de gens. Donc ça fait plaisir. Et on va adopter, tu vas voir, la même, mais la même façon de raisonner que tout à l'heure. Au niveau 7, on va faire un rôle de zinzin, améliorer notre équipe, genre faire du sale. Et ça va bien se passer aussi, tu vas voir. En fait, je sais que c'était mon défaut. Mais le rôle niveau 5, il m'a sauvé la vie aussi. Hein. Bon, Vaille, c'est cool. Vaille, on va la garder. J'aime beaucoup les starts avec la Yunia. Et j'ai une baguette, donc je vais prendre la petite sorcière au cas où, là. Toi, c'est non. Toi, pourquoi pas. Toi, c'est non. Toi, pourquoi pas. Après, t'as des t'as rôle à la recherche de quoi au niveau 5? En fait, j'avais trop de paires. Au niveau 5, j'avais trop de paires. Et genre, j'avais paire de 7, paire de Warwick, paire de Jhin, je crois. Et ça m'a servi de ouf. Ça m'a servi de ouf. Bah, c'est nice. Là, on sait qu'on va rentrer Warwick après. On a globalement un bon start, je pense. Avoir 7 ici serait mille fois mieux, mais bon. Pour l'instant, il est pas là. Ouais, c'est pas incroyable. Ok. Tire de barrage. J'aime bien ça. Hein. Il y a Luminekai qui est cool aussi. Mais ça, j'aime bien parce que je peux vite aller chercher Ginzu IE. Après, les artefacts, ils peuvent être sympas aussi. On va jouer les objets d'ordre, moi j'aime bien. Oh, ouh, c'est ce que je voulais, ça. Exactement ce que je voulais, ça. C'est pas du tout une game Aphelios. Est-ce que c'est pas... Attends. Oraka, là, elle me fait de l'œil aussi. Attends, qu'est-ce qu'il joue avec Death Dent? On peut jouer Noxus? C'est peut-être une game Noxus, là. Hein. C'est peut-être une game Noxus, clairement. Attends, est-ce qu'il y en a? Il y en a pas, hein. Ah, si, là. Attends, là. Si, putain, il y en a, là. Bah, le mec en face de moi. Ok, donc c'est soit Noxus. Boum. Quoi? Ok, il meurt, c'est cool. Bon, elle m'aura pas, c'est dommage. Soit Noxus. Soit, en vrai, Rek'Sai. Franchement, ça me fait de l'œil de fou. Ouais, on va récupérer les combattants. Genre, on a du coup refus de la mort. Ici, ça peut être une VT. Ouais, mais d'un côté... Sinon, ça, on le met juste sur Got et on continue avec... avec les tirs d'élite. Ça peut se faire aussi, hein. Ça peut clairement se faire aussi. On va continuer avec le Death Dance et on voit ce qui se passe. Et je me dis que sur un Urgot, ça peut être vraiment sympa. Et du coup, on reste avec Ginzu IE. Et vas-y, vas-y, la bastos, la bastos, la bastos, la bastos, la bastos, la bastos. Boum. En vrai, Katadin, sans gear, c'est de la merde. Du coup, c'est normal qu'on win. Il y en a 6 Kachal. Ah, c'est vrai qu'il y a Yasuo qui le prend bien aussi. Ah ouais, bonne remarque en vrai. Yasuo, il prend extrêmement bien la Death Dent. Ouais, bonne remarque. Moi, j'avais Rek'Sai en tête et Urgot. Mais c'est Yasuo la prend très très bien, ouais. Le problème, en ce moment, Yasuo, j'y pense un peu moins parce que les gens le jouent trop. Les gens le jouent beaucoup trop. GG pour Karma? Comme ça, GG. Tu vois, genre, les gens jouent beaucoup trop Yunia Challenger, justement. Mais bon, on peut tenter quand même. Si jamais ça tombe assez vite. Jewel Gauntlet? Non, non, non. Non, non, non. Genre, si jamais je joue autour de Yasuo, celle-là, je lui fais mieux. Karma, elle fera pas de dégâts. C'est pas intéressant de stuffer une karma qui servira à rien dans ma compo, tu vois. Je préfère limite ne pas claquer mes items et attendre. Et du coup faire IE et BT ici. IE, BT et je suis bien. Ouais, je pense que c'est la tech, ouais. Bon, les mecs sont plutôt strong, moi j'ai qu'un Warwick de merde. Normal qu'on galère. Oh, la bastos, la bastos, la bastos. Ok, nice. Ça peut... Ah putain, t'as pas le même les deux. Ah non, les deux t'as pas le même, c'est triste. Ah c'est... Oh oui, oh le shield. Est-ce que ça peut passer ça? Je pense pas, ça passera pas. Non, il s'est pris l'ulti de Cassio. Oh, ça passe. Nice. Ah, après push. Karma carry 3 étoiles pour one shot à backline adverse. Ouais, mais la spat, spat challenger, spat Yunia. On attend. On va reprendre la spat, on verra. En fait, tu peux pas te dire tu joues Death Dance avec Yasuo, mais tu joues aussi Karma 3. Parce que les deux ne vont pas du tout ensemble. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner, en tout cas c'est pas comme ça que moi je raisonne. Moi je me dis là, j'ai Death Dance, j'ai un potentiel bon gear pour Yasuo, donc la baguette on verra ce qu'on en fait plus tard, mais la baguette c'est le dernier de mes problèmes. C'est soit je joue Karma 3 et je mets du coup ça sur un Taric, soit je joue Yasuo, mais tu peux pas faire un entre deux. Voilà, on a le palier, c'est déjà ça. Bon, Lissandra sert à rien en soi, Colosse, je peux rien rentrer, on va attendre.
On va attendre. Mais oui, non, mais Yasuo là, j'ai envie de le jouer. Hein. J'ai vraiment envie de le jouer. J'ai pris la spat si jamais on peut faire Yunia ou Challenger, l'un des deux, n'importe. Yunia, ce serait le meilleur truc. Hein. Meilleur bail. Yunia, ce serait vraiment le meilleur bail. C'est quoi, attends? C'est épée? Épée ou War? Putain, j'ai besoin des deux, c'est dommage. J'ai besoin des deux, c'est dommage. Ah là-bas, putain, là. Et Jin, il me déçoit en ce moment. Il met des balles de merde. Allez, allez, Death Dent, allez, 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 nice. Et. Boum! J'ai ta limite à mettre Taric. Genre, je mets un Taric au milieu, ça fait le taf, hein. Ça fait plus le taf que Lissandra, je pense. Il veut jouer quoi, lui? Je sais pas ce qu'il va jouer, c'est un peu bizarre ce qu'il fait. Lui, du coup, c'est Kassadin. Lui, on sait toujours pas. Lui, c'est Noxus. Tristana, peut-être? Non, je sais pas. Noxus, ok, il y a deux Noxus. Et pour l'instant, je vois personne qui essaie de porter un Kalista ou un Yasuo, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Non, franchement, la game là, je l'attends bien. Faut juste vite aller niveau 7. Il faut juste que je trouve une épée aussi. Deux épées. Ouais, trois épées, c'est l'idéal. Et boum! Bastosseux! Bon, il a quand même une Ginzu, donc forcément, plus le fight teacher, plus il fait du sale. Après, encore, même pas. Et Ashe, elle va jamais tuer Warwick, hein. Ah, si, peut-être. La passe, la passe, ah, ça passera pas. GG. Well play, well play, well play. Toi, c'est ciao. Donc là, on espère avoir des yeux, des trucs comme ça. J'avoue, n'est pas trop aimé Yasuo Kari. Je trouve qu'il m'a trop vite à cause de tornade random. En fait, Yasuo, si tu veux le jouer, tu joues en Sionia 4 Challenger. Et si tu mets du bon gear qui donne de l'omnibomb, qui donne du sustain, il est incroyable. S'il a pas ça, il pue. En fait, Yasuo, il faut beaucoup de conditions. Il lui faut le Sionia, le 4 Challenger et un bon gear. S'il a pas ça, il pue. Mais s'il a ça, il est monstrueux. Karma m'a sauvé plusieurs fois contre la Aphelios. La Karma, le problème, c'est qu'il faut la reroll. Moi, je suis pas fan des compos reroll. J'aime pas du tout, genre on peut te griffe trop facilement et tout. J'aime pas du tout. Mais c'est fort, hein, c'est fort. Bah c'est cool. Joanie, c'est très sympa quand même. Après, Yogot, il peut venir, hein. Et là, tu vois, je vois une Sejuani, j'ai Lissandra. J'ai aucune idée de ce qu'on va jouer pour l'instant, on attend. Pour l'instant, on attend, on claque rien, on fait pas d'erreur. Pas faible, en fait, je peux me permettre d'attendre parce que j'ai 82 HP. Donc, on attend. Ah bah lui il va être compliqué à faire tomber. Tous les mecs qui jouent Ginzu ils vont nous battre forcément. Bah, si je peux au moins lui tuer son. Au moins son Maokai s'il te plaît. Oh non il va mettre du temps. Nice. Ah non genre. Coup de genre. Allez. Allez frérot. Qu'est-ce qu'on peut faire par contre? Ça sera huge. Toi je te prends. Boum. Boum. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? 4 challenger serait l'idéal. Sachant que lui est faible. J'en ai pas là pour l'instant. Donc toi tu tèges. Toi tu tèges. Morello à mon avis. Morello sur qui? Là j'ai encore un gant, faut pas que j'oublie. Les Oblidantes sont beaucoup trop forts, je trouve. En tout cas, il y en a quelques-uns qui sont trop forts. Dont Sniper Focus et dont Death Dance. Lee Sin, ça m'a saoulé vraiment. J'ai gagné beaucoup d'AP avec Lee Sin, mais. Mais maintenant ça c'est vraiment pas ouf. Bon on est quand même plutôt faible même si j'ai un Yasuo, tant que j'ai pas les 4 challengers ça va galérer un peu. Bon, moi j'ai un peu plus de dégâts que tout à l'heure, la Bastos de Jin qui était magnifique. Ok. Oh putain il a pas tué. Oh non il a pas tué. Oh la lose. Ah oh, la lose il a pas tué, t'as réussi à sauver. Ok ici il me faut quoi? Emblème bourreau. Bourreau pas intéressant. Là il me faudrait BT là. J'ai déjà de l'omnivamp. En vrai, Titan serait l'idéal. Et je suis loin de Titan. On attend. Premier augment prismatique fait plaisir vu que je joue beaucoup de compo AD. Ouais, c'est vrai qu'elle est sympa. Mais je sais pas si elle est forte. Je sais qu'elle est fun, mais je sais pas si elle est forte en vrai. Je m'en rends pas compte. Mais ouais, c'est vrai qu'elle est sympa. Ouais, j'aimais bien. Oh putain, il va se prendre la Bastos. Après, grâce à Death Dance, il meurt pas direct. Oh là 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 là, Death Dance. Tu vois, genre, Death Dance, c'est trop fort. C'est trop fort. Il aurait dû mourir 20 fois là déjà. Il aurait dû mourir 20 fois. Nice. C'est cool. Ça passe. En plus lui il veut jouer ma comp pour l'instant. Je pense que je double spot tous les jours. J'ai déjà des assez bons items donc ouais je peux pawn. Ouais je pense qu'on va spell kit Kai'Sa ouais. Et ça va être du stuff tanky pour Seth quand il va popper. Mais il pop pas encore pour l'instant. Attends. Hop. J'ai envie de voir un petit coup. Nice. On va voir un petit coup.
Il me manque un, il me manque qui? Il me manque 7 ou Jin. J'ai trop envie, j'ai tellement envie de roll. Mais c'est tellement pas la bonne tech. On va faire ça. Ash? Non, ils vont tech ces deux là. Ces deux là vont tech, on va jouer les 6 Yunia. Là il faut chercher des Yunia et des Challenger. Ou tous les frayeurs, je m'en fous. Là ils sont là parce que ce sont des unités qui sont plutôt fortes. Mais on va clairement pas les jouer. Ok, bon il a un deal, il est un peu chiant lui. Faut aller sur Cassio, hein. Ok nice. Ah il est clairement chiant lui. Clairement chiant avec son anti-heal, j'espère que Jin va crit, nice, ok ça passe, ça passe. Si on peut tuer, nice, ok nice. Parfait. On va perdre mais c'est cool. Good loss. Ça j'en ai besoin. Ça j'en ai vraiment besoin. Ok. Voilà, la tech c'est ça. La tech c'est ça, il me manque juste un petit challenger. Ok, on peut rien faire de plus. On peut rien faire de plus pour l'instant. Et on attend. On attend. Sionia, déjà, ça va me donner beaucoup plus d'omnivamp. Donc, c'est important, Sionia. Et là, il faut push Kalista. On doit le faire. On doit vraiment push Kalista et ensuite chercher Yasuo au niveau 7. Mais là, Sionia nous sera vraiment beaucoup plus fort. Pour ça, en fait, je sais à peu près quel compo, quel perso sert à beaucoup. Sert beaucoup. Les frayeurs, ça sert à rien en challenger. Donc, ça sert à même ça de les considérer. Je préfère aller chercher un 6ème Yunia que jouer les frayeurs. Après, je suis d'accord sur le fait que bah, en attendant ça pouvait faire le taf, tu vois. Mais là, je savais que je pouvais très très vite trouver un 6ème Yunia. Donc, c'est la tech. Et une fois que j'aurai le 4ème challenger, là, je serai pas mal. Peut-être fait tâche. Non, il faut juste push. Hein. Il faut push et rentrer Kalista. Ici, c'était Shen. Et ici, c'est Kaisa. Ok, on a la tech. Ok, des tirs, c'est pas ouf. Hein. Wesh, wesh. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai envie de pousser. Merde, j'ai poussé une fois trop, c'est con. Nice. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Nice. J'ai quand même pas mal de paires. Nice. Parfait. Parfait, et là on attend. Bon, je vais se lever 7 en attendant, mais... ça a vraiment pas lu le tank, hein. Ok, on va faire juste ça pour l'instant. Je garde une armure pour Titan, peut-être, ici. Et là, normalement, on est quand même plus fort. Et tu vois, c'est le rôle niveau 7 qui va faire la diff. Je te jure, maintenant, je fais que ça et ça passe trop bien. Nice. Yasuo qui passe derrière. Lieu de plus d'Eldent, Yasuo, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Il est intuable. En tout cas, il est compliqué à faire tuer. Il est compliqué à tuer, pardon. Ouais, c'est insane. C'est insane. Et là, tu vois, j'ai plus d'économie, mais grâce à la win et tout, ça va monter tout seul, je m'inquiète pas. Ça peut être sympa, encore une fois. Ça aussi, c'est très simple. Ouais, mais emblème, je vais mettre quoi? Yunia? En fait, si j'ai Yunia, c'est vraiment ouf. Si j'ai Challenger, j'ai le seum. C'est pas ça. Après ça, si j'ai Yunia, c'est pas mal. Je pourrais pas entrer des Sichal, c'est pour ça que ce serait pas ouf. En fait, non, je pourrais. Si même si j'ai Chal, je pourrais pas entrer des Sichal. Là, il me faut Yunia. Oh putain. Oh putain, j'ai rien. Après, attends. Attends, c'est pas une tech ça? J'ai un truc en tête là. Je le sens bien. Je pense que ça peut faire un truc sympa. Parce que j'ai déjà la tankiness ici, j'ai déjà les dégâts ici. J'ai déjà les 4 challengers. Je me dis qu'au moins quand il tombera mid life, il ira sur la back lane. En vrai, c'est pas si con, je pense. Et du coup, Z doit rester. Je pense que c'est pas si con, hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut là, du coup? On a dit on veut du guerre Kaisa. Belle crit, il y a Osh qui est sympa, ouais. Ou il y a Pistolam. Pas Pistolam, mais Archange. Osh, c'est pas choquant à ce qui paraît. On va Osh. Ok, hop. Nice. C'est le meilleur des choix, les autres emblèmes étaient bof. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Ouais, niveau emblème, je pense que j'avais pas le choix. Après, on va voir, hein. Peut-être ça va être nul, hein. Mais au moins, je me dis, Yasuo va vraiment pas mourir, quoi. Parce que le problème de Yasuo, c'est qu'il faut pas qu'il meure, justement. Mais au moins, là, on est sûr qu'il mourra pas, hein. Putain, j'ai pas d'anti-heal, merde. Il nous faudra l'anti-heal avec le. Avec l'armure qui nous reste. Après, là, est-ce que Yasuo a assez de dégâts? Je sais pas, hein. Il a l'air de galérer un peu. Après, ils ont 125 d'armure tous. Tu peux vraiment me tuer. Non, ça va, ça passe. Nice. Non, ça passe. C'est pas mal en vrai pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas mal. Je pense qu'il me faut de l'anti-heal. Ça, c'est incroyable, mais je l'aurai jamais. Sinon, c'est ça, je pense. Ça, c'est incroyable. Si je l'ai, c'est incroyable. Mais non, fiston. Mais non, il me laisse Harry. Attends, mais du coup, je vais. Du coup, le gear là, il va aller sur Harry. Hein, pas sur Kaisa. On s'en bat les couilles de Kaisa là. Hein. Non? Je crois que Kaisa, on s'en bat les flambis là. Hein. Du coup, ça, c'est sûr. Boum. Et en plus on l'antile ici.
100%, vas-y go. Ouais, je pense qu'Aïssa on s'en branle, hein. Bon, dans tous les cas, j'ai plus grand chose à faire à niveau 7. Enfin, Yasuo va aller sur Senna, c'est incroyable. Nice. Et après sur Teemo. Nice. Ensuite sur. Ok, retourne sur Senna, ça c'est cool. Bon, il va pas la tuer parce qu'il va, il va tèche sur Maokai, je pense. Et Tristana, apparemment, c'est pas mal. Ah non, il tèche pas sur Maokai. Putain, s'il reste sur Maokai, c'est con. Ok, le rebelle. Le rebelle qui proc. Rebelle Nip. Oh, le rebelle Nip peut-être. Le rebelle Nip peut-être. Nice. Kamamea. Je crois que c'est un rebelle Nip. En vrai de vrai, c'est pas mal, hein. Ah, j'aime bien. Et ça passe, normalement. Ça passe, ça passe, ça passe. Bon, on a un temps qu'on manque un peu de dégâts. Mais ça passe bien, je trouve. Ah, Trox, bourreau colosse. Bourreau colosse. Bah, il est pas intéressant. Lui, il doit rester parce qu'il a challenger. Les challengers sont trop importants. Ok, bon, lui, il est faible. Ça devrait aller. Mais tant que j'ai pas 7-2, c'est compliqué un peu. Parce que l'antil, il doit rester en vie. Et l'antil meurt, ça va être vraiment chaud. Ça dure combien de temps, l'antil, d'ailleurs? 10 secondes, ouais, ça va, ouais. Nice. En vrai, c'est très bien de jouer, de tuer la. La Samira, sinon elle réduit trop l'armure. Allez, allez, Harry qui fait des dégâts aussi un peu. Ouais, non, c'est nice. C'est nice, c'est nice. Et Harry qui fait du sale aussi. Non, on est bien là. Hein. Et au final, tu vois, le rôle niveau 7. J'en reparle, mais le rôle niveau 7. Rédemption pas intéressant. Il y a un GS qui est cool. Mais j'ai un gant de merde ici. Ça, c'était bien. Hein. Ça, en vrai, c'était bien. Hein. Nice, nice. Nice. Boom. Boom. Est-ce que c'est de rentrer même? On fait genre GS. Boum. 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 Bim. Bam. Ah là, t'es bien là, hein, c'est pas mal. Hein. Et est-ce que c'est de rentrer? Peut-être ou karma? Peut-être ou karma? Incantateur, ça a plus de value pour. Ça a plus de sens, incantateur pour Harry au moins. Du moins. Je pense que c'est, il va jamais rentrer dans le bendo. Et on attend, je pense. Bon, il y a des karmas qui pop, on la récupère. Hein. Warwick 3, ça vient à rien. Karma, pourquoi pas. Irelia peut pas tège. Warwick peut pas tège. Zed peut pas tège pour le rebelle. Karma donne incantateur, ça arrange la Harry. Non, je pense qu'on va rester comme ça. Hein. En plus, vu qu'on est du coup en Yunia, la Harry, elle a du coup 3 points de mana par seconde. Et du coup, elle a pas besoin de Bubuff ou Fujin ou autre. Elle peut s'en sortir comme ça. Et maintenant, l'idéal serait de trouver assez vite chaîne. Donc, je pense que je vais économiser jusqu'à lose. Une fois que je lose, c'est le moment où. Ce sera le moment où je vais push tout ça. Merci beaucoup, Heist, pour le follow. Merci énormément. Merci, merci. Allez, vas-y, Yasuo. Là, tu vois, l'anti, il est hyper important. Il a 4 targons, je crois. Je crois qu'il a les 4 targons. Et du coup, je pense. J'ai peur de pas avoir ses dégâts contre lui. Hein. Putain, c'est mon. Ok. Ok, putain. Aphelios qui fait des dingueries derrière. Il est chiant, il est compliqué à tuer. Mais Shen ne meurt pas. Shen ne meurt pas. Allez, va sur Aphelios. Maintenant. Nice. 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 Ok. Aphelios, mais je pense que ça suffira pas, je pense. Après il a plus de dégâts et j'ai Harry, attends, je sais pas, si ça passe ça. Bien sûr, attends, je sais pas en fait. Bien sûr ça passe. Franchement, l'emblème rebelle qui fait des dingueries depuis tout à l'heure. Hein. Sans l'emblème rebelle, là j'aurais lose. Hein. J'aurais dû garder Aatrox, fait chier. Aatrox là il rentrait bien. Bourreau Colosse c'était parfait. Ouais, j'aurais dû garder Aatrox, my bad. Bon, pêche maintenant, j'ai envie de trouver Shen aussi. Bon, Karma 3, je m'en fous. Ouh. Senna. On va mettre Senna pour l'instant. Merde. On va mettre Senna pour l'instant. Parce qu'en fait, elle va donner un shield à tout le monde et du coup, ils vont taper plus vite. Et arrange le Yasuo. Et clairement, on s'en fout. Et Ryze, je peux pas vraiment le rentrer. Les incantateurs, il y en a déjà assez. Ryze ouvre Karma, je peux pas enlever Karma, elle donne le Yunia. Il est si Yunia, c'est trop important. Je peux pas enlever Karma, justement. Je crois que c'est Senna, hein. Oh putain, il est strong lui. On a du mal à le faire tomber. Bon, il nous faut Kaisa 2, il nous faut les légendaires 2, il nous faut plein de trucs niveau 2 là. Je pensais pas que c'était aussi fort Jinx et Tristana. Pas mal, sympa. Kai'Sa 2, tu vois, Kai'Sa 2, chaîne 2, c'est important, mais on est bientôt au palier des 50 gold. J'ai 50 PV. Je peux tampon un peu. Je peux slow roll tranquillement. Ils sont pas dégueulasses les mecs en face là. Hein. Ok, j'ai 22. Ils sont pas dégueux du tout. Kai'Sa 2, Harry 2 sont très importants là. Et chaîne 2. Et il a trouvé Kai'Sa 2 entre temps. Bon, il a Ginzu. Ok. Putain, l'ulti Yasuo qui est pas ouf, mais il récupère le shield de Senna. Ok. Il peut aller sur Kai'Sa, ce serait incroyable. Ok, il part sur Sion, c'est pas ouf. Le rebelle qui proc. Le rebelle qui proc. Ok, nice. Non, le rebelle fait la diff, hein. Et le rebelle, genre, l'emblème plus de Zen, ça fait une diff de malade mental, hein.
Ça me fait de l'œil ici, parce qu'il me faudrait, tu vois, il me reste un slot de libre. Donc ça c'est très très bien même, et il y a un mec qui joue Shojin, donc il y a un mec qui joue Noxus, donc il va la prendre. Ou ça. Ça c'est encore mieux ça en vrai. Le Shojin est mieux, mais les golds en moins, c'est dommage. Ok, je vais me faire foutre. On va prendre le Shred. Salut bro, je t'ai découvert sur YouTube il y a une petite semaine, t'as vu, et je pense que tu mérites beaucoup plus, donc surtout lâche pas les streams et deviens fame. Mec, merci beaucoup, oui, je me rappelle de ton message, je pense. J'avais vu une personne qui avait dit la même chose pratiquement. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup pour la force, et on va essayer, écoute. Hein. Franchement, on donne tout. On n'est pas pressé non plus, tu vois, on essaie juste d'offrir du bon contenu. Et si ça vous plaît, ben moi je suis vraiment heureux de fou. Vraiment, c'est full honnête. Donc merci énormément pour la force. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On a le Shroud, on va le poser quelque part. Mais j'ai envie de roll encore là, ça m'énerve de... En fait, ça m'énerve d'avoir chaîne 1, Kai'Sa 1 et tout mon niveau 1 là. Ok, on va Shred à ce niveau là. Et encore, ça a pas touché le Azir, ça a juste touché Cassio. Et là, on va voir. Est-ce que le tap va mieux se passer? Attends, il est pas faible lui hein. Va sur Azir s'il te plaît. Nice, il va sur Azir. Yasuo, c'est un crack, je suis désolé. Mais c'était vraiment le Yasuo de Faker. Genre sans déconner, il fait du sale. Ok, il reste encore le Darius à tuer. Il est compliqué à tuer. Ok, le Rebel qui proc, ça tue Darius. Et ça fond sur Kata. Non, en gros, c'est insane. No cap, tu fais un bon contenu, surtout lâche pas ça. Merci beaucoup, ben, je vais pas lâcher ça c'est sûr. C'est sûr, merci énormément. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. J'ai le smile là, tu vois, il est honnête. Qu'est-ce qu'on veut là? Tain, moi je veux vraiment des Kai'Sa et tout là, mais elles ont pas envie de popper. Elles ont pas envie de popper. Bon, 7, on va plus jamais le jouer de toute façon, on s'en branle là. Personne! Bon, ouais, vas-y, dose. Coup dur. Je me suis placé là parce qu'on est contre la Tristana. Si jamais Yasuo va sur Tristana, ça peut nous permettre de win. Donc, why not? Et je crois qu'il va faire ça en plus, hein. Il va pas sur moi, ok, s'il te plaît. Chacal! Bon, non, il va nous battre. Il va nous battre. On focus pas assez carry, on arrive pas à les focus. Ah non, on peut rien. Contre lui, pour l'instant, on peut rien faire. Je savais pas que sa compo était aussi forte, hein. Franchement, Jinx 3 et Tristana 4, je pensais pas que c'était aussi strong en vrai, hein. Tu deviens famous à TOTV? Arrête, je vais rougir, mec. Bon, mais en vrai, c'est les vidéos YouTube, je pense qu'elles vont faire le taf au bout d'un moment. Hein. Là, pour l'instant, on le sent pas trop, tu vois. Mais je mise beaucoup sur les vidéos. En tout cas, j'espère de proposer. Enfin, j'essaie de proposer un contenu, tu sais, qui plaise à la plupart et qui aide, tu vois. Donc, je me dis, si vraiment, vraiment, c'est du contenu solide, ben. La fame, elle va venir petit à petit, tu vois. Enfin, on espère. Hein. On espère. Ouais, tes vidéos TFT font pas mal de vues. Ouais, clairement, ça fait plaisir. Ça fait vraiment arche plaisir. Aatrox. On va mettre Aatrox maintenant, c'est bon. Senna, en vrai, elle a fait son taf. Elle a fait son temps. Montre. Ouais, laisse tomber. Senna, elle m'a gonflé. Et j'aimerais bien trouver mes persos quand même un jour. Nice. Et là, faut y aller là. Nice. Là, faut y aller là. Faut la trouver, cette Chagas. Ok. Bon, on en trouve une sur deux, pourquoi pas. Et il me semble qu'il manque un item, non, sur Kai'Sa, hein, ouais. Ok. Pourquoi pas. Bon, il a Darius 3, il a Kai'Sa 2. Est-ce que ça va passer? Bon, là, maintenant, moi, j'ai une vraie Kai'Sa 2 aussi, donc ça, il y aura une diff. Ah, plus que Yasuo, le carry. Kai'Sa qui t'a fait bonquer sa mère. Ok, on a un problème. Non. Non, il a bonqué Yasuo, ce chien. Ah, oh, ce chien de la casse. Ouais, l'augment diff, bien joué. Bon, ben, on pourra pas topper, je pense. Ça va être compliqué. Le bon qui m'a mis dans la gueule, j'ai le seum. Je veux trouver Shen. Shen est vraiment important. Je vais récupérer Kalista. Ok. Ok. Bon, là, Shen 2, pour le coup, c'est vraiment insane. Et là, faut que... Ah, mais lui, je peux pas le tuer, lui. Hein. Comment je peux faire? Sur le papier, faut rester comme ça. En fait, sur le papier, il faut vraiment que Yasuo ait le plus de chances d'aller vers sa Tristana. Et là, c'est une chance sur deux, en fait. Il envoie sa Tristana à 3 hexagones d'écart. Donc, c'est soit sur Tri, soit sur Maokai. Et je crois Tristana, il a pas envie de la goumer, hein. Ok, nice. Ouais, non, c'est chaud. Non, c'est chaud, il a une vraie team, lui, hein. Oh, attends. Mais non. Oui, Kai'Sa diff. C'est beau. Ok, top 2. Top 2. Bon, comment je peux faire pour améliorer ma compo là? Le niveau 9 il est trop loin. Non, là on va juste se placer, hein. Ok, donc lui je peux le battre. Je sais pas comment, mais je peux le battre. Je vais tenter une nouvelle tech. On va tenter une nouvelle tech. Lucadvist.
J'ai pas envie qu'il bouge. En tout cas, pas qu'il bouge pas sa fronte. Look at this. Si tu inverses ZDSU, il devrait envoyer sur la backlane. Bah, c'est le play. Hein. Tu m'as spoil mon propre move. C'est juste que j'avais pas envie qu'il retourne sur Maokai, mais il retourne pas sur Maokai. Ok, ok, voilà, c'est mieux. Ok, là. Oh non, il a pas tué. Non, il a pas tué Zeri, ce chien. Non, il fait TB. Il a mieux joué tout à l'heure. Il fait TB. Non, il a. Ouais, il a mille fois mieux joué tout à l'heure. Ah, c'est GG, putain, dommage. Bon, dommage. Et franchement, le Yasuo Rebelle, il a fait des trucs là. Bon, dommage. Putain, il avait mieux joué tout à l'heure, ce chien. Justement, tout à l'heure, il allait sur Maokai et après, il allait directement sur Tristana ou Jinx. Mais je pensais pas que sa compo pouvait topper en vrai, hein, putain. Non, GG.